Bonjour, bonjour, fidèles téléspectateurs de notre émission Sagesse africaine. Sagesse africaine, votre émission que vous suivez tous les samedis de 12h à 13h sur Olive TV, votre chaîne de référence, votre chaîne d'excellence. Grandement joie d'être là encore une fois de plus cet après-midi pour vous présenter votre émission préférée. Votre émission qui est présentée par votre humble serviteur Johnson Keto, les garants de la nation au-dessus de la mêlée. Nicolas Conflimang à côté là, Bagba, Vieux Foulangenge, et tous les noms que vous me donnerez. Et la sœur Grace Kadima Montonanjambé. Montonanjambé, bonjour maman. Bonjour papa, bonjour. On dit quoi? Ben, on est là, on dit bonjour à tous nos téléspectateurs, à tous nos frères et sœurs qui nous aiment bien. Et nous vous aimons beaucoup aussi au nom de Jésus. Voilà même la raison pour laquelle nous sommes encore une fois de plus aujourd'hui là, pour partager ensemble ce qui se passe dans notre communauté, au sein de notre communauté. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis là où vous êtes. Je sais que vous êtes branchés de partout en Afrique. Vous nous suivez de partout, l'Afrique du Sud, l'Angola, la RDC, Congo-Brazzaville, en Europe, la France, la Belgique et à travers le monde. Et ici, plus précisément en Angleterre, au salon Carlos, là où se trouve Kibin Kibala, Ntabayamo Fléry, Akomagoliamo Pico, Ntabaye Moko, Kibin Kibala, avec Nono Masolo, pièce contre pièce, Guiloumé Boulemer, coiffeur d'acné, et Carlos Massamba. Et bien sûr, les amis qui nous suivent de Manchester, Alfa Davancende, Maman Isabelle Kamba, et vous tous, Franck Monzelo CC, soyez branchés, ne bougez pas. Nous avons des informations à vous donner, à vous livrer. Et nous avons aussi un sujet à partager avec vous. Je laisserai le soin à Maman Grace de vous livrer les secrets d'aujourd'hui. On va partager un sujet, Maman. C'est quoi les sujets d'aujourd'hui? C'est quoi les thèmes d'aujourd'hui? Ben, c'est juste une question que nous sommes en train de nous poser ensemble. Ce n'est pas une question que nous vous posions à vous, mais nous nous posions dans la communauté, au sein de la communauté. C'est une question qui se pose à tout moment pour le moment. Pourquoi ces genres de morts inopinées au sein de notre communauté? Voilà pourquoi nous allons essayer de discuter tout autour de ces sujets cet après-midi, essayer un peu d'apporter un petit raisonnement autour de cela, que chacun puisse apporter sa pierre. Je crois que cela fera du bien à tout. Cela fera du bien à tout un chacun de nous, car vous savez que personne n'a le monopole de l'analyse complète de ces morts inopinées. Nous perdons. Chaque mois, c'est comme si on a pris l'habitude. Moi, je dirais qu'on doit cesser avec... On doit cesser, c'est pas notre décision à nous, mais l'habitude doit cesser de perdre chaque mois un membre de la communauté. Comme vous le savez, la communauté est endeuillée. Le mercredi, on était parti rendre un dernier hommage à notre frère Ambara Pita, qui nous a laissé. Le mercredi, les amis du Sud, tout Londres, était là pour rendre un vibrant et dernier hommage à notre frère qui nous a quittés. On était parti le déposer à son dernier demeure. Et il y a encore les matanga qui sont là, il y a deux qui sont là. Je vais vous donner quelques détails. Il y a notre frère Philémon Ndombele qui nous a quittés depuis quelques temps. Mais je vous donne ici les programmes qui est comme suit. Donc, le matanga se tient, le deuil se tient au numéro 813 Tottenham High Road. Vous connaissez la salle, il y a une petite salle à côté entre Pizza Domino et la salle royale Banqueting Hall sur Tottenham. Et notre frère nous a quittés, donc on se rassemble là-bas C'était hier vendredi, aujourd'hui samedi et demain dimanche. À partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, nous sommes tous réunis dans sa maison. Dans sa maison résidence est située sur le numéro 65 Campbell Road, non loin du Job Center de Tottenham. Donc, nous sommes là, Tozaliwana, pour la Filémon, programme Ezali Bongo, corps ekei déjà na pompe funèbre tokozwa ba précision nyonso au courant de la semaine pour papa akouta Kinshasa ba démarche eza kosala pour papa aya ko assister na ba obsèque ya son fils notre frère Ndombele. Donc ti vendredi tozali nanu kaka kolela programme moko fixe nano epesamité maman Grace nano epesamité à partir à vendredi peut-être tozala na moi une idée ya programme ndenge ba obsèque kotala nzoto pe kokundama ya ndeko na biso Ndombele ekosalama mais tozali kosenga na bato banso oyo bazali kokende kuna to contribuer pour na kosunga ndeko na biso akundama na ba honneur nyonso. Il fut un fils de la communauté, un fils de la nation. Il était dans le matanga, il était dans les fêtes. Philémon, c'était l'ami de tout le monde. Nous le pleurons grâce à ses bonnes œuvres. Il a sémé, Bien sûr. Voilà pourquoi même nous recommandons la moutonnière sur la communauté que ça bolamo. Et tango koku fato tango kozalate bolamo na yo eganga. Nenge bolamo andeko Philémon. Ezo ganga misala na ye la communauté et gangi yolo za la mutamo bulu mutabitumba donc to kanisona nini to kanisona nini na oyo ya contribuer ki na la carte na communauté yango communauté ezo lelaye pour la tina na yango to koleka na communiquer mususu nécrologique ndeko na biso Simon grand frère ya Sita Musampai Simon Sita Yepe Atika Kibiso Matanganae ezali situé na numéro 23 Avondale Court, Avondale Road, Canning Town, London A16 4HR. Que son âme repose en paix. Ndenge Tolobaki Pepe Nandekonabiso Philémon, que son âme repose en paix. Si tout va bien, le corps de notre frère Simon est rapatrié dans Mboka le 18, à moins qu'il y ait changement de dernière minute. D'après les informations à ma possession, donc corps naé le 18 eko kende Mboka. Ezali kuna na Canington yo motona no lekite leka kuna pona o réconforter la famille et ko mekape ko sunga ko tala na mwa libenga ndenge nini ko sunga pote ndeko na biso nzoto na ye ekende na bamboka. Wana pona ndeko na biso Simon et tobo sanate na dernière minute semaine passée to utepe ko perdre pasteur na biso na kombo ya pasteur André Yamba Yamba, Mouipataï, pour l'instant, Dei Ezali, Kolekela, Nassal, Oezali, Pembeni, Yandako Naye, autant Topé Sabino, adresse Yandako, pour ça, les Ezali Nango à 2 minutes. L'adresse de la maison, c'est le numéro 5, Ellen Terry Court, Clarence Way, Camden Town, London NW1 8SE. Pour toute information, vous devez contacter Jancy. Les numéros seront affichés sur le petit écran ou encore, qu'est-ce que j'ai dit, Jancy ou Simon. Ou encore, vous contactez Ngaï pour vous avoir plus amples informations. Et j'en profite aussi pour dire que enterrement naïe programme d'Enge Pesami et Kozala le 24, le vendredi 24 avril. Donc, je reviendrai sur nos prochaines émissions dans Nouvelle Oyo. Pour vous avoir précision sur Facebook, je suis omniprésent sur Facebook. Vous aurez les plus amples informations. Pour Ndeko Nabiso, Papa Nabiso, Pasteur André Yamba Yamba, P, Association Yamba Pasteur, Pakuru et Lobby, Pasteur Nyonso, Luka au contacté, Secrétariat, Pasteur. Lobby Kombo. C'est qui est au secrétariat? Secrétariat pasteur... pasteur Mbata. Oui, voilà. Je m'excuse, prof Mbata. Ce qui n'a pas de donc, pasteur Nyonso, pour nous sungandeko, nalikamo et komeli, kosungalibo tawana, lobby pasteur, bon contacter secrétariat nabino, il y a Pakuru, pasteur Mbata, les secrétaires, Yende Arope Sabino, comment vous devez vous organiser pour que le beau konabino et mon mimoni sama nakati ya pasi oyezu libota oyo. Donc on les arrive à communiquer nécrologique na part ya il y a Bisso, Sagesse africaine, à part, il y a Mama Grace, pour Mama Grace, Mikolo, Yobalobi, Uni et Tikelingana, na récupéré na Sagesse africaine, bongo na ozong si la bango, yo Mikolo Zoya, dans combien de temps? Là, toute la question, avant tous les Kalelons, par rapport à contribution, parce qu'il y aurait quelqu'un au Azolanda, par exemple, les monsieur a besoin à contribuer na liwa moko na parmi ba auto tango bien na nyosopé au ça na ndengeni na contacter nani a contacter yo oyebise mutu ni au ego za malamu mingi mutu alinga contribuer à contacter ngai na pesi numéro ya moto oya za responsable parce que nga vraiment la matière na chaque deuil na matière a mbongo nga za mutu ministère na ngeza ministère ya information eza ministère ya recouvrement té donc ceux qui ont besoin ont contribué au Sunga, la matanga yande konabiso Philémon, la matanga yande konabiso pasteur André Yamba Yamba, la matanga yande konabiso Simon. Na repé ça un numéro ya responsable à ko Sunga yo, a repé ça yo ba directive nini au Telambongo au Sunga na Mosolo na yo. Wana pona ba communiquer na biso nécrologique. Mais apprêtez-vous, informez les amis que Tokola qui sa image yande konabiso Alain Franck Monzelo CC, Alain Franck Monzelo CC, Oyo, Azalaranabi, Sotangonion, Sotorola, Ksaba, Imaginaye, Tangwalande, Torosai, Labino, moi, commentaire moqué. Mais n'oubliez surtout pas aussi que Lelo Ezali, anniversaire, il y a Bato, Ebele, des êtres qui me sont chers. J'ai dit bon anniversaire à ma fille, ma deuxième fille. Happy birthday, Amin Kito. Amin Kito, she's my daughter, she's 23. Happy birthday to you. I mean, may God bless you. May God protect you. Be covered by the blood of Jesus Christ. We all, the whole family is backing you up for your studies. You know, bring us PhD diploma. You know, higher degree. I mean, where you are there, I wish you all the best. You know that Daddy loves you, Mommy loves you, everyone loves you. We all backing you up. Auntie Grace is backing you up. Uncle Eddie Kito is backing you up. Uncle Blanche, Uncle Gogo. Everyone is backing you up for your studies. Yeah, set up an example for us, and we love you. We love you. I mean, happy birthday, 23 happy years. Birthday. Happy birthday. Also, joyeux anniversaire à un ami, Bob Ilunga, qui me suit en ce moment. Bob Ilunga, joyeux anniversaire à toi aussi. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Surtout, persévère dans ce que tu fais. Le bon Dieu sera de ton côté. Il sera de ton côté car tu crois à ce Dieu-là. Hein? Bob Ilunga, bon anniversaire à toi. Maman. Et si... Pardon? C'est l'anniversaire aussi en même temps. Non, Maman Hortense, c'est le 27. Okay, Maman Hortense, wow. C'est le 27 avec Pierre Rodrigue. Dans ta maison. Voilà, le mois d'avril, c'est un mois béni. Le 27 avril, c'est l'anniversaire de Maman Hortense et Rodrigue, l'aîné qui va totaliser 29 ans. Wow. Donc, les petits Johnson que vous voyez à la télé, et il est grand. Il est petit dehors, grand là-bas. Le fils aîné va totaliser 29 ans d'âge, le 27. Et j'ai dit aussi, happy birthday to Adji Annabelle Agathe. Agathe, c'est la petite sœur de Maître Gunther. Oh, wow. Celle-là, c'est comme ma fille. C'est aussi son anniversaire. Happy birthday, Adji Annabelle Agathe. May God bless you. May God protect you. Girlie, you know, we wish you well for what you're doing. We wish you a successful life and be covered by the blood of Jesus Christ. May God bless you. From Uncle Johnson. What can I say? What can I say? I keep your present. I keep your present. Mama guys. En tout cas, bonjour encore de Toloba Ikaka, Papa Keto, Ezo Sala Pasi Mingi, Ernion Sotozo. Bungisa bato baza na biso baza pena cher na biso yo baza bandeko na biso oyo toyaki elongo na mboka oyo tango sumbula moko te metoye na mboka oyo moto na moto yaki na tina na ye na mboka oyo pe tozomona bandeko kotika biso eza pasi Eza pasi makasi, eza pasi makasi, eza likamomoko toko iko arrêté morte. Potozana makoki ko arrêté morte d'une manière ben d'une autre d'un autre côté, nous pouvons aussi faire quelque chose s'il y a la vie de prière dans la communauté. Nous sommes, nous qui sommes du média, nous sommes des artistes. Comme des artistes et comme des peintres. Quand il y a une situation qui ne va pas, nous devons disséquer, nous devons analyser et, si possible, apporter la solution, y pallier, y remédier. Donc, tout quoi au tika la ningwanate, indifférent dans la situation où ils ont comme l'abisso, tu le dis non, maman Grâce, qu'est-ce qui ne va pas dans la communauté? Tu as dit qu'on fait là, mingi mingi nga la rolobango, mingi mingi tu as dit qu'on fait là, mi bali. Mibali mingi na osala discrimination te mais na lobi ke mingi mingi mibali mbaza okufa. Pourquoi mibali bazali okufa? Tokozonga na sujet oyo mais avant to kota bo s'apprêter déjà beaucoup contribuer na thème na biso na sujet na biso mais en attendant to zali ko balancer image interview il y a ndeko na biso Alain Franck Monzelo CC qui en 1998 non, en 88, il fut le vice-président de la Confédération africaine de boxe, équivalent il y a les lots autres, Robenga CAF, Nenge, Boyebi CAF, Confédération africaine de football. Azalaki nominé aussi vice-président, il y a WBC, World Boxing Council, organisme Oyo, et dirigea la boxe professionnelle. Namokili mobimba bato ya mitema mabena zayi baboyaka kotika ye akende na réunion na Mexico ndenge apesenga histoire na ye normalement lelo alinga kokoma vraiment moto na kati na kati na fédération ya boxe maître Senga na bino bolanda quelques minutes to rebalancer bino 10 minutes lelo et 10 minutes mususu prototika bino na soif la semaine prochaine. Tolanda 10 minutes oyo to zonga awa nde to kotina vif du sujet na biso oyo bah, cause, il y a toutes ces morts inopinées au sein de notre société. Je demande à la régie de me balancer ces 10 minutes de notre frère Alain Franck Monzelo CC. Et après, je vais revenir sur votre nouveau rendez-vous sur Canal Afrique TV. C'est depuis Londres, au Royaume-Uni, que j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle émission où nous allons tout simplement à la rencontre d'un éminent représentant de la diaspora africaine d'ici et d'ailleurs. On a fait le pari de pouvoir promouvoir et valoriser cette diaspora car elle compte au sein donc, de cette même diaspora des personnalités, des parcours de vie, des personnes qui ont des choses à dire et avec qui eh bien, nous allons partager un moment pour qu'ils puissent donner leur vision du monde. Pour ce premier rendez-vous, nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Alain Franck Monzelo CC, originaire de la République démocratique du Congo. Il est business consultant, il est analyste financier. Il vit au Royaume-Uni depuis près de 25 ans. Alain Franck Monzelo CC, comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour. Merci de nous faire l'honneur de répondre aux questions de Diasporama. Alors on va faire connaissance ensemble. Première question, toute simple. Qui êtes-vous? Ma réponse, ça va prendre toute l'émission. Ah ben écoutez, ben on voilà. A tout notre temps, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ben, mon nom, comme vous l'avez indiqué, je suis Alain Franck, d'origine congolaise, venant de Kinshasa. Si je prends en résumé qui je suis, j'ai grandi pratiquement à Kinshasa jusqu'à l'âge de 16 ans, où j'ai rejoint la Belgique, comme tous les Congolais à l'époque. J'ai étudié à Namur. Et puis... ma vie, c'est en rapport avec le sport toujours. Hein. J'ai étudié en Belgique, je faisais la boxe. J'ai appris la boxe pratiquement depuis l'âge de 13 ans. Vous avez gardé la carrure, hein, ça je vous rassure tout de suite. J'étais champion de Belgique amateur à l'époque déjà, à l'âge de 16 ans. Et puis j'ai terminé mes études en gros. Hein. J'ai fait l'université en Suisse. J'ai fait une licence en lettres avec option pédagogie et psychologie. Après la Suisse, j'ai terminé en 78. Je suis allé à Dijon, où j'ai fait un diplôme de troisième cycle de gestion des entreprises, diplôme d'études supérieures, un 2SS, supérieur spécialisé. Après avoir terminé les études en France, j'ai senti le besoin de me rendre au Congo à l'époque. Mais il y avait quand même un handicap. Je me disais, il fallait clôturer. Partir au Congo sans maîtriser l'anglais, c'était un handicap. Alors j'ai tenté d'avoir une inscription aux États-Unis. J'ai été accepté, je suis allé à American Graduate School International Management, qui est la seule école à l'époque, même aujourd'hui, qui détient le numéro 1 sur le business international. C'est en Arizona. J'étais de janvier 81 à décembre 81. J'ai fait mon Master International Management, surtout avec spécialisation en marketing. Et après, comme j'étais ambitieux, les Américains, en fait, ils voulaient que je reste aux États-Unis. Parce qu'à la fois, j'étais l'entraîneur de boxe dans le campus, et puis ils ont senti que j'étais beaucoup plus intégré par rapport à d'autres Africains. Alors, ce n'était pas le cas. Ma vision, c'était l'Europe ou les États-Unis, c'était pour les études. Il fallait que je rentre au Congo. Alors, précisément, avant que vous ne rentriez au Congo, c'est peut-être ici l'occasion peut-être de revenir un peu en arrière. Votre vie familiale, avec vos parents, avec votre famille, tout simplement. Vous avez été encouragé, soutenu dans ce que vous entrepreniez? Pas du tout, pas du tout. Ma famille, c'est plus dans les business. Ceux qui connaissent le Congo, notre grande maison, c'est le bar vis-à-vis. C'est nous qui avons promu les orchestres congolais comme Franco, les Rochero, les Papa Wemba. C'est ma maison vis-à-vis. Moi, je suis né dans un milieu plus musical. Alors, je suis un des seuls qui a été lancé dans les études. Alors, votre orientation, justement, carrément, académique, c'était pas motivé par la famille, c'est mon ambition personnelle. Je voulais faire autre chose. Pas de regret? Non, pas du tout. J'ai pu garder la balance. J'ai fait mes études, j'ai fait la boxe en parallèle, j'ai pu entraîner les gens aux États-Unis. Ça m'a permis de payer mes études. Après quelques années, lors de mon retour au Congo, j'ai été élu président de la Fédération congolaise de boxe. Et ce qui m'a valu un déplacement aux Jeux olympiques de Séoul en 88. Après, j'ai été élu président de la zone 4 de la Confédération africaine de boxe. Autrement, j'ai géré toute la boxe de la zone 4, tous les 12 pays d'Afrique centrale. Le Congo, le Rwanda, Burundi, Gabon, Cameroun, Sao Tomé et Principe. À l'époque, j'avais quoi? J'avais 29 ans. Je suis allé aux Jeux olympiques de Séoul. Et puis après, même les Jeux africains, les 4e Jeux africains au Kenya. Donc, j'ai pu balancer à la fois le côté sport et mes études. Alors précisément, vous rentrez au Congo, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous allez travailler dans de grosses boîtes, puisque vous êtes quand même PDG de Brickim, hein, ça ne s'invente pas. Vous travaillez également chez Utex Africa, chez Mobil Oil, chez British American Tobacco. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que vous passez en fait de multinationale en multinationale. Qu'est-ce qui vous motive? Quel est votre moteur à ce moment-là? C'est l'idéal. I want to reach the highest point. Quand vous avez un poste, vous êtes jeune, vous vous sentez dynamique. Et que, peu importe le poste qu'il vous donne, mais vous sentez à un moment donné que vous avez atteint votre point d'incompétence. You can do better. Tu peux faire mieux. Alors, comme il y avait des multinationales, j'étais à BAT Zaïre, British American Tobacco. Je m'occupais de deux Kassa et Chaba. Et puis après, le Haut Zaïre. Le Katanga d'aujourd'hui. Le Katanga. Et puis le Haut Zaïre et Kivu. Donc j'étais directeur de journal dans ces niveaux-là. Après le poste de directeur de journal, il y a mieux, on peut aller plus haut. Mais comme il y avait une option qui s'était présentée à l'époque, c'est Mobil Oil, au poste de directeur commercial Mobil Oil. Mobil Oil, c'est une grande multinationale, même actuellement. Alors j'étais le directeur commercial adjoint. J'avais à peine moins de 30 ans. Ambitieux, je me suis permis de démissionner d'une compagnie pour aller à une autre, qui était Mobil Oil. Et puis, de Mobil Oil, l'appétit vient en mangeant. Je suis allé comme PDG à Brickim. Alors, il y a quand même une petite anecdote, parce que, bon, situation politique oblige. Il faut préciser que Martin Fayulu, qui est quand même un responsable politique plutôt respecté au Congo, président de l'ESID, faut-il le préciser, vous avez contribué à son entrée à Mobil Oil. Bien sûr, il en parle d'ailleurs quand il vient dire. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ben, il s'est passé, je veux dire, c'est un hasard en fait. Au Congo, ils ont l'habitude de lancer des annonces à travers la presse lorsqu'ils recrutent des cadres. À l'époque, c'était en je crois, juillet, j'étais en 84. Il y a British American Tobacco qui voulait recruter les gens. Et au même moment, il y a aussi Mobil Oil qui voulait recruter les cadres. Ils ont lancé les annonces. À la BAT, il y avait au moins 200 personnes qui ont répondu à l'annonce, la même avec Mobil Oil. Nous avons tous passé des tests de psychotechnique et puis des interviews auprès de tous les directeurs. Il s'est fait que de deux compagnies, parmi les 400 personnes, j'étais le seul à être retenu, aussi bien à la BAT et à Mobil Oil. Je crois simplement, c'est pas que je suis un génie. Moi, je venais des États-Unis et la plupart de ces gens-là ont étudié soit en Belgique, en France, au Congo. Ils n'avaient pas la maîtrise d'anglais que moi je possédais. Moi, pour moi, c'est ça qui a fait que je sois retenu dans les deux multinationales. Vous avez dû choisir à un moment donné, c'est à ce moment-là que vous mettez le pied à l'étrier à Martin Fayulu. Carrément, parce que parmi les dernières personnes, vous commencez à 300 personnes, ils éliminent et puis vous restez peut-être un nombre de 10, dont les 10 derniers, les 10 best ones. Alors, Martin Fayulu, c'était un ami. Il était retenu à Mobil Oil parmi les 10 derniers. Comme j'ai décidé d'aller là où le poste me convenait le mieux, c'était à British American Tobacco. Il y avait un poste de marketing. J'ai fait appel à Martin. Je dis, moi, je démissionne de Mobil. Le poste est vacant et ils ne sont plus en mesure de convoquer tout le monde. Vas-y. Il est parti. Il a terminé comme directeur de PDG de Mobil Oil dans le pays africain avec sa compétence et son dynamisme. La preuve est là. Aujourd'hui, tout le monde découvre qui est Martin, mais moi, je l'ai connu à l'époque à ce niveau-là. Alors, on vient d'évoquer votre parcours professionnel au Zaïre de l'époque. Pourtant, vous décidez de quitter ce pays qui vous a vu naître, et vous décidez de venir ici, au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter le pays? Ce n'était pas un choix volontaire. On m'a fait quitter le pays. Bon, à l'époque, c'était Mobutu qui était le président, et il y avait des généraux qui se permettait un peu de bousculer tout le monde. On a eu une parcelle de 10 hectares qui a été confisquée par un des généraux. Là, un général, j'étais les noms par respect pour sa famille, n'est plus en vie. Ce qui fait que, bon, voilà, ma façon de réagir, je l'ai traduit en justice. Il a perdu le procès, mais ma vie était en danger. Alors, ils m'ont déconseillé de rester au Congo, j'étais obligé de partir. J'avais 34 ans, directeur général d'une multinationale. J'ai mis point à ma carrière, je suis venu à Londres. Alors, ça fait bientôt 25 ans que vous êtes ici. Oui. On peut dire aujourd'hui qu'en tant que business consultant, analyste financier, vous vous êtes fait votre place au sein de la diaspora africaine ici, et singulièrement la diaspora originaire de la République démocratique du Congo. Alors, comment s'est passée votre intégration? Vous avez dû vous battre, réapprendre certains réflexes. Je rappelle que au Zaïre de l'époque que vous avez quitté, vous étiez quand même quelqu'un de plutôt assis socialement, vous avez un rôle social conséquent. Alors comment on vit cette différence de niveau de vie quand on décide de tout quitter pour tenter sa chance ailleurs? Ah ben, on reprend tout à zéro, mais avec un esprit positif. Je dis, I'm a fighter, I'm gonna win. Moi, je suis un battant. Je venais avec mon master des États-Unis. Or, à l'époque, ici en Angleterre, les gens n'étaient pas tellement... comment on dit, motivé à obtenir des diplômes universitaires. Parce qu'ici, la logique est différente. Quelqu'un qui obtient son diplôme de, à l'époque, c'était O level, il a 3 ans d'expérience professionnelle, directement, il est dans la pratique. Or, les diplômes n'avaient pas la même valeur qu'ils ont aujourd'hui. Moi, j'arrivais avec mon MBA, Master of Business Administration from America. Qu'on le veuille ou non, j'avais déjà une place. Sauf que j'avais 34 ans, je trouvais un peu avancé, mais j'avais mon ambition de concentrer mon temps et mon énergie à orienter mes enfants. Ils avaient à l'époque 8 ans, 4 ans et... Voilà, voilà. La semaine prochaine, je vais revenir sur cette interview. Il nous reste peut-être 10 minutes pour qu'on puisse terminer avec cette interview. Mais, Maman Grace, tout ça déjà, boîte on a ébalé. Sujet Zawana. Tout ce qui est régi, bafongo la ligne. Bafongo la ligne. Tout solo là. Non. Si j'ai l'habitude, Zali, quelles sont les causes de toutes ces morts inopinées au sein de notre société? Bandego baza okufa, Maman Grace. Yo épinglé déjà cause moko. Tiabiso déjà en direct, Bandego baza Olanda biso de partout. Appelez pour que nous puissions partager ces sujets combien vastes et combien complexes. Tout ça, on perd dans Bandeko. Alors, tout quoi qu'on vend à bon côté, Bissona, Olive TV, Bissona, Sagesse africaine, Tolobike. Nous devons toujours apporter notre pierre dans la communauté. Il y a notre pensée, émission de l'autre. Vous savez qu'il y a un sujet, il y a délinquance juvénile. Mais tout ce qui est pour Oyo, ils ont dit que tout le monde mingi mingi maman. Cause moko. En tout cas, moi, je dirais les lots de Kabolango n'habitaient ni moi et Bilé. Pourquoi? Nalingito parlait un peu sur le plan social, sur le plan économique et Toko parlait sur le plan spirituel donc yo subdivisant na subdivisant parce que na fandi na monique mode ya vie na biso à l'étranger aussi ezo mema biso na ba stress na ba makambo ebele na instabilité ya bandaku na ba makambo ebele pourquoi parce que ndenge toloba qui la fois passée je crois na condamné te na lobité que bato bazo kufa po ba vivre malam te tozo luka toyé ba moi ba cause selon bato tozo raisonner selon nzambe mais selon bato to va na sera moi oyo pour te bible zolo ba biso ne bandel que il n'était pas ainsi donc kufa e kota ki na nzela dans mais bon moi pe e ya ki na nzela moto moko oyo akenda ki na croix pour la biso eza Jésus et tout est qu'on fêtait Pâques et nous avons vu parmi les bénéfices, il y a quoi? Tout le monde qui a la vie éternelle, et tout le monde a bonne santé, tout le monde a. Mais toujours vivre le contraire, il y a des sur le plan social, il y a des gens qui ont Obandana no, obandina ko bongi sefo mukande bonga evanda ofansanda ko obandi ko bali oboti obandi ko sala ba makamnyo soko ko sala et na kota la boye bande ko na biso mingi otoye na mboka oyo bo permettre ngala lo bango ce qui totali mode de vie na biso penza ezo se penza mbete quelque part na lobité sur le plan lisomo. Sur le plan façon de vivre. Et au moment où nous sommes là, je parle d'abord dans le plan social, comment nous vivons, la côté de la paix et tout ça. Nous ne prenons pas trop soin de nous-mêmes. Nous avons dit que nous avons or nzoto akangisate mama ya nzoto ezana bosenga lango nzoto ezosenga reposo nzamba sala ki moi asala ki butu eza po moto pas se reposer nzambe yekutaza nzambe akeli mokili 6 jours il se reposa. Mais au moment où batu mususu ekote musala au moment où moi si pe mobali ekote musala au cœur na yo mutu est-ce qu'ils vont répondre na baton ya musala na yo zo pesango pour les loto otiaka la kindoki non to otiaka ka o et ça qui toto ça qui tete batu bazo kufa pe bazo kupe pe ba nza mais totala sur le plan la biso ya lifestyle la biso tozo memango ndenge nini. Est-ce que tu te donnes le temps, par exemple, il y a qu'au déjeuner? Est-ce que tu te donnes le temps, par exemple, il y a qu'au lire un peu de gym, un peu de boyer? Parce que nous sommes lazy. La plupart du temps, les Africains, tout ça un peu lazy d'un côté. Moi, je ne peux que dire, oh, na tomboli, lelo, na vandi, à part bako, je suis spirituel. Nengina lobana, façon un mode de vie, na biso. Alimentation. Alimentation, na biso, papa. Alimentation. Ma foutambila. Okotia la biloko pondo ko lamba loso talo tondisi donc aujourd'hui ba repas d'ailleurs par exemple ba repas eza sauté OK ko lia repas ya munene mbala na suka tu n'as même pas le temps ya ko digérer biloko liaki kati na yo zo mona teloni ezo lekana yo zuka o lelobi na keko la kati na zo mona teloni ezo lekana. En Afrique on mangeait aussi les mafutambila. Yeah. Mais on a quelqu'un en ligne. Alors on prend déjà les tout premiers intervenants. Allô. Allô. Allô, bonjour, papa Obengu, Apipé, Kombonani. Participation dans le sujet, alléluia, Zanini. Oui. Oui, la Benga est partie de Londres. Hein? Oui. C'est périmètre de la sujet. Merci. Maman a passé par étape qui est vrai. Mais il faut aller au but, il ne faut pas, cacher le feu en couvrant le feu qui est sous le lit. La vérité est là. La femme congolaise de Londres, oui, Azana Bolingo ya solo, aimait l'amour, Sokolandi pensa très bien à Mbokoyo. Pas toutes les femmes. Mais Oyo, Bazanga, éducation de base. Oyo, Bauta, la pauvreté. Baeko Situka. Bazana Bolingo, Mibali, Nabango, ya Solote. Baeko Zua, Bazoko Linga social, au Maman Lobby social. Koloka Mubali. Bati Yangondi, Yangonde, Nekina Nzambe. Et loko Izoko Boma Mibali, Yangowana. Il faut savoir partager, il faut savoir que ce soit sa faiblesse, que ce soit sa pauvreté. Priez Dieu, un jour, vous en aurez. Mais Bassi Bati, Congolais, mais tout Bassi. Kindumba. Infidélité. Impolitesse. Ils ont fait craquer mes balles. Moindre compréhension. Asi Azongeli Moubali na Yakala. Abombagena Kunzu. L'air papa va vous découvrir. Nayo. Et bête c'est moto. C'est ça la vérité. Merci Ming. Merci beaucoup papa. Wow. Vraiment, toza vraiment très ému. La participation là yo, ceux qui t'ont qui sur le plan social, ils appellent là-bas sous-point l'issue dans la carte sociale là. Donc il s'agissait pas seulement à Biloko Agolian et Tolobi. Voilà pourquoi même la raison pour laquelle tu as les lignes pour la toyoka participation pour merci Penda pour la participation là yo. Merci. On a le deuxième intervenant. Allô. Allô. La personne est partie. Alors tu as continué. Oui maman Grace. Na olinga mingi yoza mama. Yeah. Na lingi mama bobo tarabiso bobo kolarabiso tozala ba bébé panabino mama pe atongara mboka soki mama a baby si mboke baby na lingi sujet oyo na tindika oliboso ngala za na sima na tiaka ba piqué na lingi na répondre na ndeko a uchobenga ezabaka o tozo vivre ezabaka réel il n'a pas menti il n'a fait que vraiment koloba oyo motema na yezo et ezolela na kati. Oh, yo pesa au salama la communauté maman. Yeah. Donc na mobulu tel quand on va sur le plan social wala peso faire partie, il y a social. Donc eli kolobaka que na oyo papa leli likolo, eza moko ya kati ya point oyo tozo développer, maman oyo za na ndaku, oyo le kaka situation. On a quelqu'un en ligne maman. On a quelqu'un. La personne qui est en ligne. On vous prend. Allô. Allô. Alors bonjour maman Benguya Pupé, participation des années na sujet oyo tozali ko kufela ba cause nango ezali ni ba mort inopinée na kati ya société la biso. Bonjour ngana benga na Londres na jeune fille na zape mariée. Oui. Na okinde papa ucholo ba awa mais c'est comme si papa azozwa trop kota ba mibali. Mokili ezo changer. Oui. Toza na poto ndenge vieza ki na Afrique eza ndenge za até. Ah bah maman, et ça t'es que tu as beaucoup conabiso, na batante, na biche, na bakuzen dengue zanakin, batbazo edo peut-être la bana, et zo longo la misam susu, et ça la tue match na journée. Ce que bah maman bazo take on so much, bah le baté que oh nini, et ça ce qui tue match na dengue nini mais faut que zandé ti moi pour partager moi dame. Bah papa le bique oh bah si bazem poli, ngapé moi si la colo bique, bah mbali bazem poli. To baisaka kaka o ba mama o ba si basa respecté basa barisa papa te o basa fidèle te nga za fidèle na mbal na ba jeune fille belé basa fidèle ba jeune garçon basa la fidélité et zande ba papa pona ngai na mona ke ba garçon de basa fidèle te ba papa na biso baso c'est comme si baso te ba mi bal te ndenga o za fidèle pona bango c'est comme koza kindumba et comme des moi culture mon boy o ezandenga mi bali soki mbala osaba kama be o ezandenga mbali moi si faut za ka makasi to za batu. You know, we have feelings too. Thank you. You know, merci pour la participation à yo. Le loto quoi encaissé mingi au moutunio sozo pesa ba point de vue à moutunio so. Tozo refusé mon côté, tozo teleme la mon côté, tozo yambape oyo kakate toloba o azana raison to o azana tort parce que ze loko tozo meka ko luka ko yeba po to bongisa parce que je crois que même bibezo loba la biso que l'amour supporte tout. l'amour est eloko oyo so totalement na le fruit de l'esprit. Pourquoi babengango lete babengango le fruit de l'esprit? Donc l'amour est premier point oyo eza ko englober tout le reste. Ce qu'on dit au monde en peine 1 Corinthiens 13 et 6 qui vient dire que l'amour ne soupçonne point, ne fait pas du mal, l'amour boy. Donc l'amour est patient. Donc babilo ko so bamboumanyo so landami na sima point amour et ça na kati amour pour ça la force il y a fruit de l'esprit yango moni même ça. Donc na kati makamna zo loba awa ndenge papa loba ki que ba maman lelo bazo sala boy to ngite to pesa na tort to raison. Tout raisonner ensemble. Tout raisonner ensemble. Ni ezali ko sala. Ni eza ko sala que popé to ko mape na point wana. Et là on a une sociale net tolobaki, tolobi ba vite oye kokuta awa. Situation ya mboka oyo toye kokuta et sali que moi si aligné aza na mode de vie moko. Non nga naza. On a quelqu'un en ligne là-bas maman. On nous fait signe, la régie nous fait signe. On a quelqu'un en ligne. Allô. Allô, bonjour papa. Bonjour maman. Oui, je suis Maman Ève, j'aimerais contribuer à l'émission. Merci. Par rapport à votre sujet, je crois que nous devons adapter un style de vie, comme l'a dit Maman Grace. Et comme le dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Avant que nous puissions nous remettre entre les mains de Dieu, je crois qu'il faut quand même changer notre style de vie. C'est-à-dire, dans la maison, lorsque nous vivons en couple, nous devons créer un environnement favorable pour la bonne marche du foyer. Yeah. Annuellement, nous devons faire un bilan médical en sorte qu'il y ait une balance concernant notre santé. Et on puisse savoir communier avec le Seigneur, c'est-à-dire en famille. Donc le dimanche a été fait pour que nous puissions nous reposer et en même temps nous devons servir le Seigneur. Donc en mettant tous ensemble tous ces aspects de vie qui sont la bonne ambiance de la maison, le repos journalier, le sport, la prière, le bilan médical complet, je crois que tout cela favorise l'évolution de l'homme. Je parle de l'homme. Je vois la femme et l'enfant. Et les enfants. Donc, ça ne sert à rien d'accuser la femme ou bien le mari. Je crois qu'on doit faire... la part des choses. La part des choses. Parce que souvent, quand on voit une personne, elle est en bonne santé, mais elle-même, elle ne connaît pas qu'elle a des maladies qui sont cachées. Donc, il faut bien qu'elle fasse un bilan annuel. Parce que si nous prenons, par exemple, le diabète. Le diabète, c'est une maladie qui tue, qui n'a pas vraiment des symptômes. Yeah. Donc, il faut passer par des examens de sang pour qu'on puisse savoir que c'est le diabète. Ça. Mais nous, particulièrement les Africains, on se dit souvent que si on est gros, c'est la bonne santé. Yeah. Et être en bonne santé, il faut avoir un ventre bédonnant et tout. Alors que ce n'est pas ça. Donc, mon conseil, c'est qu'il faut vraiment équilibrer les choses et ne pas accuser c'est l'oncle qui a tué ou que je ne sais pas qui. Merci beaucoup. Merci pour la participation. Merci pour la participation. C'est vraiment très touchant, très intellectuel, bien fignolé. Bien fignolé, surtout ça. Vraiment, elle a été claire. Elle a été claire. Principe ezali ndenge tolobi ko vivre bien na ndaku ko yeba ko se contrôler na niveau na yo ya santé ko yeba ko contrôler loko no akolia ko yeba ko zala mutu oyo yeba ko kende ko mona médecin pona ko yeba état ya nzoto na yo e nzambe pe aza mutu oyo aza ko faire partie munene pena o azo simba biso. Je crois que Toza n'a pas de ligne. On a quelqu'un en ligne. On a malheureusement, on n'a qu'une heure, maman. Vraiment, en tout cas, on n'a qu'une heure. Ozo Bengawa, Pipe Kombononani, s'il vous plaît. Oui, Nazo Benga à Londres, je reprends un autre qui est là. Nous avons contribué à si je vous en pour la cause de l'Ozo Salaki Bisso, surtout Mibalondi, Bazo Koufa, Katnaboka Oyo. Nagoye contribuer boye. Oni est-ce que biso toloba sur le plan toloba neti na communauté na biso tout ça ko Angola. Est-ce que tozala ka préparer ya ko vanda na potro neti tout ça c'est précisément à na Catalogne. Donc c'est le plan migration donc politiquement parlant maintenant. sur les plans de déplacement, voilà. Est-ce que tu as préparé tout le monde en Afrique? Toya puto bandoya kufana na poto obie toyaka ndege toyi kolobaki na ke koluka mbongo pona zonga na ngai eh soku totali pendant 90 ti lelo to komi 2015 c'est presque 25 ans tozala ba cause oyo to komi komona lelo eh surtout biso mibali to komi na ba surprise ebele oyo yo to kanaka te parce que soku totali 25 ans oyo passé tala bato oyo bazali kokufa oyaka na ajini na poto osali combien des années na poto tobotaka na bamboka Congo tobuzi bana na biso tobandi komema bango awa bana babandi kobota bana babandi kobala et des choses oyo tobandi kokutana nango ebandi nde yango na ebandi biso makambo na ba age oyo biso tokomi nango lelo ezali ba age oyo totikaka bapapa na biso tobandi kobenga bango bapapa batata ozomona tala peruana tala peruana mais makambo oyo bazali ko résoudre na Congo biso lelo tozokoka ko résoudre yango te à l'époque bapapa na biso bazokanga bango bandoki bazokende kobalisa nda ba age biso tokomi nango lelo mais lelo sikoyo biso toye poto tokomi kokutana na basurprise oyo ya bana na biso ya basi ya mibali ya babasi na biso tosala ndaku na baproblème na biso moko personnel. Tozoko kango le suscité. Ngana zolo ba awabo ye na salaka health care. Mais maladie oyo loko la stress. Ezali ba maladie moko oyo ezali le plus oyo élevé ya ba mort na kati ya UK. Donc inde tozali awa batu bazoko kufa soko tali cause ya ba maladie mingi eza ba stress. Ba stress soke bandi o malembe bandi ko lia onzo toti au moins na ba stroke bandi ko yayo donc c'est ça les causes donc tozali na ba problème oyo est-ce que tozala ka préparer vraiment réellement que biso to ko vanda na mboka oyo biso tozali parce que celui tozaki réellement préparer donc ko ko za ba cause oyo tozali ko mona sikote en conclusion na ko lo ba biso ba papa il faut tozwa responsabilité en tant que papa. Donc na lobaki ete ke liboso ba papa na biso ba age to komi nango lelo bazali ko résoudre ba situation oyo biso tozokoka ko résoudre te na minute oyo na mboka oyo tozali ya yoki donc ekozala malamu biso ba papa donc soko moni mwasi naza mabe zwa responsabilité atake mwasi na yo malgré erreur oyo salaki ya mwasi po okoma tina niveau oyo bokomi na yango donc biso tokokufa na ba cause ya basi te mais yo papa ata na bible ezoloba ngo papa fo za mutu ya ndako. Donc, il faut la responsabilité aux alliés en tant que papa et à l'ibota au Bandagota. Moi, ce soir, je suis salatoyé Barolam. Ceux qui ont Malam n'étaient pas inayo. Il faut à Salaka de façon à comment Malam n'est pas inayo. Y compris Nabana. Donc, il y a un contribué. Merci. En tout cas, merci bien pour la participation, là, papa. Vraiment, Tozo Yambana Nyoso. Je crois que les leurs amoudkolo t'ont conclu parce que les sujets moko, ils sont très délicats et puis ils sont vastes, Penza. Yango tozo linga tozo nanu toyoka lito itoyoka ba oni boloba et Bible zoloba Paul azoloba na mwana na ye Timothée lobi nazoko souhaiter que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme à tous égards donc la prospérité la santé nanyo soza na kati alors à tous égards au prospérer donc na niveau ya santé na biso est-ce que tozo mona tozo prospérer. Nous prions, mais est-ce que t'oses prendre soin et à santé la biso? T'oses prendre soin et à lifestyle la biso?